Donc ça avance ou pas? Les décharges, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à traiter le minerai assez vite? Est-ce qu'il y a un problème ici, équilibrage? 26%, quel nombre de fret en cours? Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Ok, donc c'est raison. Pourquoi c'est du blanc là? Entrepôt de sable. Ah voilà, ça c'est du sable alors que ça c'est du minerai. Ok. Le sable, c'est... Le sable, c'est quoi? C'est ça qui transforme du sable, non? Le sable, il vient d'où? C'est ça qui extrait du sable? Non, c'est du minerai. Il vient d'où le sable? Pourquoi j'ai du sable ici? Qui fait du sable? La verrerie? La verrerie utilise des matériaux bruts issus du magnage pour fabriquer des feuilles de verre. Minerai, ça produit du verre. Ok, mais alors c'est quoi ce sable? Il vient d'où? J'en ai littéralement aucune idée. Balance-le là. Ils en ont un deuxième, s'il te plaît. Ah, ils rentrent pas. Ils ne rentrent pas. C'est extrêmement pratique, voyons. Enfin. Bah écoute, au pire. Déjà ça, on va les dégager un peu parce qu'ils sont en train de m'emmerder depuis tout à l'heure. Voilà. Va polluer plus loin, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mettre du coup ça là? Voilà. On va s'en sortir petit à petit. Comme ça, c'est bon. Une route. C'est bon! Voilà! Vous savez, il buff, il bosse. Arrête de dire buff. J'ai entendu en train de foutre de ma gueule déjà. Je vous ai entendu! Tac. Minerai. 48%, ça travaille, fait travailler masse personne en plus. La taille du truc! La taille de la zone, quoi. Je trouve ça complètement dingue. Toute la zone qu'il y a juste pour extraire du minerai. Voilà, on s'en sort. Du coup, maintenant, le minerai, on le travaille. Du coup, là, ça marche. Verre, culture, c'est bon, ça marche. Ça crée de la limonade. Mais c'est parfait tout ça. La limonade qui est ici, et du coup, il ne manquera plus que le pétrole à l'exploiter, du coup, juste ici. Est-ce qu'on peut l'exploiter directement? Il y a l'autoroute là. Je sais pas si. Ça va faire beaucoup de circulation. Ça va faire beaucoup de circulation, enfin. J'aurais peut-être dû. Idéalement, faire une 4 voies, des trucs comme ça, bon, je sais pas, on verra plus tard. Donc là, le pétrole, on peut l'amener jusqu'ici. Voilà. On va faire un truc comme ça. En mode à l'arrache. Et on va espérer que ça joue. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour du pétrole? Pour une petite zone pétrolière de qualité. Dis-moi tout. Alors, on a la maison d'accueil. En mode bonjour. Bienvenue chez le pétrole. Petit puits de pétrole, usine de prolifse, des boules d'hydrocarbures à tes souhaits. Petit parc de cuves à pétrole brut. Bien sûr. Mais bien sûr, à tes souhaits, on est totalement d'accord. Donc tout ça, c'est la zone de pétrole. Ah. What? Ah, je peux pas aller parce que c'est pas chez moi, c'est juste. Faut que j'achète la zone. Puis il y avait le pétrole que je pourrais exploiter là aussi. Voilà, le champ de pétrole, j'aime les frites. Qui va, je l'espère, générer plein de délicieux argent. On a plein de fric, 1 million. Attends, comment ça va être riche? J'étais pas prêt, fin. Vu qu'on prend du temps à développer tout ça, pendant ce temps-là, l'argent rentre, c'est cool. C'est carrément cool, écoute. Tiens, de l'eau partout. Voilà. Donc, on a de l'eau. Tu me tires de l'électricité, s'il te plaît. Voilà. Eau, électricité. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? On est bien dans le pétrole. Dites-moi tout. Puits de pétrole. Parce que là, ça paraît assez logique. 144 unités par semaine. La chasse 128. Au lieu de 4008. Donc faut que je tire une route vraiment là. Est-ce qu'on tire la route limite sur le bord? Et je suis comme ça tout le long, quoi. Ce qui me paraît plus logique, écoute. Et après tu repars ici. 84, 90 degrés, voilà. Par contre, c'est pas super plat la zone. J'aurais pu éventuellement la planir. Est-ce qu'on teste l'aplanissement? On risque de foutre un peu le bordel. Je vais pas te le cacher. On risque de foutre un petit peu le bordel par là. Donc peut-être pas la meilleure idée du monde. Non, laisse tomber. Tiens. Laisse tomber en espérant que ça passe. On va croiser les doigts. Zone industrielle. Donc là, je peux balancer mon pétrole tranquille. On peut extraire tout ce qu'on veut. Voilà. Fais-toi plaisir. Et extrais-moi ce pétrole. Donc ça va extraire le pétrole. Ensuite, il va falloir le traiter avec l'usine de pyrolyse, de pyrolyse des boues des hydrocarbures, à tes souhaits. C'est quoi cette grande zone qui me montre? Ça correspond à quoi? J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, tiens, on t'enfile deux.
parce que ça a l'air stylé. Et ensuite, le stockage, qui va être juste à côté. Pareil, on va t'en mettre deux. Deux petits stockages. Parce que ça va être suffisant pour le moment. J'ai peur que ça épuise des ressources par contre. Si c'est le cas, c'est un peu chiant. Parce que c'est un peu la galère. On peut pas faire grand chose. Mais ça serait plutôt logique que ça les épuise. Vas-y, play. Forcément, si on alimente tout ça, ça risque de mieux fonctionner. Voilà. Juste alimenté. Ok, c'est bon, le pétrole épuisé. On va extraire tout ce délicieux pétrole. Camion de fret en cours d'utilisation 0 sur 5. Donc ça a mis après le pétrole ici brut qui va être traité et après il sera envoyé dans les... là-dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire tout ça? Je ne sais pas. On verra qu'on peut libérer les usines. Il y a plein de choses à débloquer après. Donc ça, on pourra enfin faire des vraies usines avec des trucs de fou. On pourra tout produire. Ça sera la folie. Pendant ce temps-là, à 36 000 habitants, ça se développe plutôt... Ouh, au quartier des bureaux. Le petit quartier des bureaux a bien pris, là. Il faudrait du coup qu'on se développe un petit peu ici, pour agrandir la zone. Ah non, ici, on pourrait se faire pour être au centre, ça pourrait être sympa. Il y a l'autoroute, de toute façon, qui permet de se connecter. Oh, ça pourrait être pas mal, là. Se faire un petit quartier vite fait. R6, divers 17h, par là. Enfin. Nifexit.com, il y a le planning. Attends, du coup, grosse avenue. Il faudra un rond-point, là. Attends, avant tout, on va mettre le gros rond-point. Parce que c'est pas comme s'il était un petit peu énorme, le truc. Je vais te dire... Faut que je prenne cette zone. Est-ce qu'on a accès? Enfin, j'ai pas accès à la zone, malheureusement. Ça sera pour plus tard. Donc, fais-moi les choses comme on peut. Genre, je suis la ligne. Avec l'avenue. Tu me fais un truc bien tout droit. En mode à l'arrache. Non. Bien tout droit à l'arrache, j'ai dit. Ouais, vas-y. On va partir là-dessus. Donc, la grosse avenue qui va d'un côté à l'autre. Et j'hésite à la connecter. Par exemple, si je la connecte à la ville, je vais avoir une circulation de malade. Bon, je pourrais faire venir là, en sous-sol, et aller sur le rond-point au pire. J'ai en train de me dire. Je pourrais aller jusque là. Genre, attends, comme ça. Là, on va en sous-sol jusqu'ici. Là, et là, tu remontes. Et ça risque d'être le bordel! Félicitations, niveau 2 atteint pour le pétrole. L'usine pétrochimique, les petites plateformes de forage, l'usine de plastique ménager, le quartier des ouvriers de l'industrie pétrolière et les grottes de stockage de pétrole brut. Ok. Plein de délicieux trucs en plus. Ah, j'ai juste oublié un truc. C'est que faire un tunnel au milieu de l'eau, c'est pas le meilleur truc. En fait, tu fais un tunnel avant l'eau. Si tu fais un tunnel dans l'eau, ça pose des problèmes physiques, en fait. Du genre, il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est un peu con. C'est un petit peu con. Attends, comment je gérais ça, du coup? Il faudrait que je passe en dessous, directement là. Ouais, effectivement. On aurait pu s'en douter en même temps. Le gars, tranquillement, il plonge dans l'eau, en plein milieu de l'eau. Normal. C'est tout à fait normal. Oh, des limites de la ville, qu'est-ce que tu racontes? Je porte des limites de la ville, t'as trop pris de drogue. Ah. Il y a un petit peu de... Attends, comment je peux faire? Comme ça, voilà. C'est bon. On a tout résolu. Du coup, j'aurai un accès à ce rond-point. Alors, est-ce que ça va être le bordel? J'aurai trop de monde dessus. Je sais pas, on verra bien. Parce que j'ai pas accès à un autre rond-point par ici. Faut que j'en fasse un là. Qui donne accès à tout ça. Enfin, bon, on verra. Peu importe, petit à petit. Alors, replay. Histoire de continuer à faire rentrer le cash. Oh, niveau 4, pourquoi? Pour le minerai de fraise, excellent. La zone du minerai fraise. On n'a pas donné de nom. Bâtiment d'entretien d'industrie minière, usine de voitures, usine de fibres de verre. Oh, des voitures. Grande mine sous terre, on peut faire des trucs de fou. C'est énorme. C'est totalement énorme. Au pire, on s'en fout pour le moment. Bourrine, on va juste bourrer des gens dedans. Histoire d'avoir plus de population. Et qu'on s'en sorte. D'ailleurs, tiens, en termes de bourrinage. Comment on va bourriner ça? C'est une excellente question. Faut le dire vite. Mais ça passe. Alors, on va faire un truc comme ça. Tu balances un peu de bleu dedans. D'ailleurs, il faudrait peut-être... Éventuellement... Qu'on... Ah, vas-y. Ah, mais vas-y. Ah, j'arrive pas. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, si tu m'enlèves. Ok. Il faudrait qu'on... Attends, mais là. Qu'on mette de l'eau. Ça pourrait être vachement utile avant qu'ils se mettent à gueuler.
Parce que bon, après, on les connaît, ils vont se mettre à gueuler tout le long, ils vont être là en mode. On n'est pas content. Et pour le coup, ils ont pas tort. Elles sont déjà en train de se plaindre. Jamais content, je te jure. Vas-y. Voilà. Il y a de l'eau. Avant, pour l'électricité, ce sera plus compliqué. Il faudra. Je sais pas. Démerdez-vous. Je sais pas comment apporter l'électricité ici, moi. Je suis pas magicien. Je ne suis pas magicien. Attends, on peut mettre un parc qui va pour permettre de les aider. Là, tu mets un truc là. Ça va connecter le tout. Hein. Ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jardin tropical. Qui ne rêve pas d'avoir un jardin tropical juste là? Je te mets de chaque côté. Je te mets un petit manège. Parce que c'est toujours joli, manège. On rajoute ça. Et on est pas mal. Des petits parcs un peu partout. Histoire de les rendre heureux, les messieurs. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il faudrait quoi? On va mettre un gros hôpital. Parce que c'est quand même une sacrée zone. À condition qu'il rentre. Pire, autrement. Pareil pour les cimetières. Évidemment, il en faudrait deux, mais là, je t'avoue que ça va être compliqué. Non, c'est bon, ça passe. Ils ont une vue sur. Ah, mais je suis con, il y a les crématoriums autrement aussi. J'ai complètement zappé les crématoriums. On peut brûler les gens? Quel idiot! C'est tellement plus simple. C'est horrible. Le truc vraiment terrible. Tac, tu me rajoutes les saunas. Voilà, les petits saunas. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Ah, puis les salles de sport et tout, c'est juste, il y a plein de trucs maintenant. Il y a tellement de trucs dans le jeu, c'est ouf. Dépôt d'hélico militaire, ça on verra plus tard. T'as quoi d'autre? Un jardin yoga. Qui ne rêve pas d'un jardin yoga pour sentir bien, enfin, franchement. Une piscine municipale. Ça coûte très cher, mais écoute, c'est le quartier grand luxe, là. Là, c'est le luxe ultime de toute la zone. Ok, ça c'est fait. Cryoconservation. Écoute, mais on va te mettre. Et c'est quoi l'autre? Laboratoire médical. Synthèse pour mettre au point de nouveaux types de médicaments pharmaceutiques. Je sais pas, on te met, mais je te cache pas que j'ai aucune idée de ce que tu fais là. On va pas se cacher. Dépôt d'hélicoptère, caserne de pompiers, on pourrait te mettre une petite caserne, j'imagine, ça va te suffire, ouais. Petite caserne, elle doit passer là. La petite caserne. Le petit pompier. Voilà, enfin, lui ici, puisque pompier. Ah, on pourrait mettre une prison. Ça pourrait être une vachement bonne idée. Où est-ce qu'on pourrait mettre notre prison? Juste là, ce serait parfait. En trop incliné. Tac, une prison. Effectivement, on avait juste oublié ce détail. On avait un petit peu nulle part où enfermer les gens. Ce qui peut être gênant. Institut de technologie moderne. Ça permet de le mettre là? Ça aurait été parfait, juste là. Enfin, c'est serré par contre. En termes de place, ça manque de place, monsieur. Si je casse un truc. Non, ça rentrera jamais. Ça ne rentrera jamais. Ce que je peux faire, c'est péter ici. Et là, je pense qu'il peut passer. Voilà, juste là. Tac. Allez, c'est une université en version classe, écoute. Art créatif. Allez, on met la totale. On met la totale, nous, monsieur. On veut le grand luxe ici. Art créatif. École alternative. On met deux écoles alternatives. On te met de l'école normale. Voilà. Ça, t'as tout ce que tu veux. C'est bon. Autre chose? Tu veux un collège aussi? Ah, allez, fais péter le collège. Par contre, le collège, tu caches pas qu'il est un petit peu gros. Comment je suis censé faire rentrer un collège là-dedans, moi, monsieur? Je suis dans la merde. Ouais, littéralement, je peux pas faire d'entrée de collège. Je ne peux pas faire entrée de collège. Seul moyen, ce serait de casser des trucs. Non, il n'y a pas la place. C'est con, ça. C'est extrêmement con. Je ne peux pas faire entrer un collège. Comment on pourrait faire? Il faudrait casser un peu de route. C'est un petit peu gênant, mais... Bon, écoute, s'il n'y a pas le choix. Pas le choix. Tu veux faire quoi? École. En plus, il m'en faudrait plusieurs de collèges. J'en ai mis que... Enfin, de lycée. En plus, il en fallait plusieurs. Bon, au moins un là. Mais à mon avis, ça a manqué. Ça ne sera pas suffisant. Écoute, on verra bien. Attends, tu me peins tout ça en vert. C'est bon? On a rien trop cassé. Là, j'ai cassé, mais c'est bon. Non, ça a l'air d'être bon. Donc là, la zone va être pas mal. On a mis du fric. Il devrait être pas trop mal. Bon, du coup, ce quartier est quand même vachement high-tech. On a plein de trucs, on a l'éducation, tout ce qu'il faut. Et si après, je peux acheter la zone à côté, ce serait parfait. Mais bon, une chose après l'autre, il nous manque quoi?
dans l'absolu, maintenant, tout de suite, immédiatement. Bah ici, rien. Je peux lancer. En théorie, on devrait avoir à peu près tout ce qu'il faut. Et, juste, par contre, on a juste un problème électrique. En petit, il faut que je mette un là et un là. Si je mets deux parcs, normalement, c'est bon. J'aurais peut-être pu en mettre moins en mettant autre chose. Ah, ça m'arrange moyen, là. Ça m'arrange pas des masses, voyez-vous. Attends, si je le mets comme ça, là. Est-ce qu'ils sont ICOM? T'es sérieux, là? Tu vas m'emmerder pour ça? Tu vas vraiment m'embêter pour ça? Ah, il est co. Est-ce que les autres parcs peuvent se co? Est-ce qu'ils peuvent être de gentils garçons et faire ce qu'il faut pour? Attends, est-ce qu'on a pu mettre un autre truc? Je sais pas, un petit parc, là. Là, normalement, il devrait se connecter. Et oui, parfait. Bon, démerdez-vous, connectez-vous vite fait, les gars. Créer des maisons, histoire que ça se connecte. À l'hôpital, je me sens mieux. Très bien. Tu peux. Tu peux te sentir mieux, parce que là, pour le coup, on a une méga grosse zone en plus, histoire de se développer un petit peu en termes de population. C'est fou, comme j'ai aucune demande de industriel. J'ai vraiment aucune... J'ai juste ces deux zones industrielles, et voilà, c'est tout. C'est totalement tout. Là, du côté de ça, ça tient. Là, la zone de bureau, elle est littéralement pleine. Je pensais pas que ça saturait autant. Bon, on va développer par ici. Petit à petit. Mais c'est bon ça en tout cas. Ça se développe qu'il faut. Attends, du coup, niveau pétrole, faut qu'on fasse ça. Alors, niveau pétrole, qu'est-ce qu'on a? En termes d'extraction, on a des plateformes de forage. Voilà, c'est des vraies plateformes de forage, ça c'est pas les petits. Ah, tu vois, ça bouffe le feu. Oh, mais c'est horrible, ça me bouffe le pétrole. Bah, c'est des ressources naturelles, voilà, j'ai plus de pétrole déjà. Ça m'a bouffé tout le pétrole. La blague! Ça va bouffer tout le pétrole! C'est pour ça que moi à l'époque j'avais mis un plugin, enfin un add-on, je sais pas comment appeler ça. C'est un truc qui modifie le jeu pour avoir du ressource infinie. Parce que c'est débile! Toi j'ai déjà plus de pétrole, il s'est tout vidé! Et le problème c'est qu'en fait, sans ce pétrole, bah tout le. Je peux pas produire tout ce qu'il y a derrière à produire alors que là je suis qu'au début. C'est totalement débile! C'est totalement débile! Ouah, y a plus de ressources à miner. On a bouffé tout le pétrole. C'est complètement con. Et moi, je fais quoi maintenant? Comment tu veux que je produise du pétrole pour pouvoir faire ce que j'ai à faire? Attends, je vais mettre ça, mais genre, dans une heure, y a plus rien. On a pris tout le pétrole qu'il y avait. C'est débile. Ouais, il faudrait effectivement que je mette un mode. Voilà, merci, j'avais plus le mot. Il faudra mettre un mod pour mettre le pétrole illimité, c'est pas possible. Parce que là, c'est débile. On va se retrouver du coup sans rien. On pourra pas développer. Bon, bah écoute, on verra bien. Usine pétrochimique. Du coup, mets-moi deux usines. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, grotte de stockage. Allez, vas-y. Mets-moi deux grottes de stockage. Regarde-moi ça comme c'est qualitative. On a plein de trucs, mais il n'y a plus de pétrole. On fait tout ça pour rien, en fait. Genre, ça a littéralement bouffé le pétrole à une force de malade. À une vitesse de fou. Je pensais pas, je savais que ça allait partir, mais quand même pas à ce point. Là, c'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle il est parti. Ça deviendrait presque un petit peu débile. Je t'avoue. Fin. Bon, il faut vraiment qu'on puisse débloquer cette zone. Histoire que je puisse faire aussi. À moins qu'on mette des bureaux. Au pire, je mette des bureaux là. Je vais faire une petite zone de bureaux. Comme on l'a fait de l'autre côté, avec une petite zone séparée. Franchement, ça fait le taf. Tu tires ta petite ligne de bureau ici. Comme ça, en plus grand des calmes. T'as mis en pause. Regarde, tu fais ta petite ligne juste là. Attends, on va peut-être pas partir trop là non plus. T'as juste à tirer tes lignes tranquillement. Et on se fait une petite ligne de bureau pour qu'ils puissent bosser. Ça me paraît pas mal. Utilisant une petite, tout ce qu'il faut là. Tac. Bon. Je vais peut-être aller un petit peu sur les bords là. C'est un petit peu le bordel, mais ça va le faire. Ça va totalement le faire. Tiens. Bon, pas sûr que j'aimerais avoir mon bureau ici, je t'avoue. C'est peut-être un petit peu bordélique. Mais c'est classe. Attends, du coup, comment je connecte ça au reste? Est-ce que je vais le connecter avec simplement un rond-point? Ça va être le bordel. Est-ce qu'il y a moyen de le mettre? Attends. Il faut que je le mette... Allez. Passe-le au-dessus, là. Non, tu peux le faire. Voilà. On va le relier comme ça. Ça va être un peu bordélique, mais... Voilà. On va dire qu'on s'en fout. Au pire, je peux mettre des sorties. Je vais faire une petite sortie comme ça. Voilà.
Juste pour dire qu'on a quand même mis un peu ce qu'il fallait faire. Le minimum en tout cas. Ah, par contre, en termes de pétrole, du coup, ça a été relié à ça. Attends, on va quand même le relier par sécurité. Je pense pas que ça serve à grand chose. Mais sait-on jamais. Une fois qu'on fout le bordel. Voilà, comme ça, enfin. Prendre ça, du coup, je prends des chiens. C'est bon, c'est tout. C'est tout couf. Attends, comment on va gérer ça? Donc, on a dit des bureaux, enfin. Tac, mets-moi des petits bureaux ici. On va se faire une bonne grande zone. Voilà, tout là. Sauf là, s'il te plaît. Parfait. Enfin, du coup, toi, ça fait quand même une sacrée zone finalement. Ça fait pas assez petit, mais non, il y a de quoi faire. T'as largement de quoi faire. Tu rajoutes 2-3 petits conneries dedans, du genre ça. Boum. Voilà. Lui direct, il met carrément le truc de fou dedans. J'imagine ça leur suffire quand même. Avec un petit parc, non, un peu gros quand même là. Voilà. 3 petits trucs. Et ils vont se démerder. Il y aura de quoi faire du coup. Enfin, on a les sorties, on a tout ce qu'il faut. Là, la zone de commerce, elle s'est bien développée. Bon bah écoute, plus qu'à attendre voir ce que ça donne. Ouais, je suis vraiment choqué là, mon pétrole. Toi, ils se plaignent, il n'y a plus de pétrole. Mais bien sûr qu'il n'y a plus de pétrole. On a tout bu. C'est débile. Passer de matériaux bruts. Mais tu veux que je fasse quoi? Tout le pétrole a été pompé comme jamais, c'est horrible. J'arrive pas à comprendre le délire là, faut vraiment que je mette le mode. Parce que tu vois, j'ai vraiment tout le pétrole qui est en train d'être pompé, un truc de fou. Il faut absolument, avant qu'on ait fini tout ce pétrole, faut que je mette le truc infini. Autrement, on est dans la merde. Grand puits de pétrole, usine de jouets, toi, même des jouets à base de pétrole, c'est du plastique. Entrepôt d'industrie pétrolière. Écoute, on a plein de trucs jolis à poser. Mais le problème, c'est que ça nous fait une belle jambe. Parce qu'on a tout pompé. C'est un petit peu gênant. Extraction de métaux bruts de l'industrie pétrolière depuis des nappes souterraines. Extracteur doit être placé sur un champ de pétrole au sein d'une zone industrielle. C'est quoi la différence? Une rangée de 4 puits pour l'extraction de matériaux bruts de l'industrie pétrolière depuis une nappe souterraine. C'est la même chose, on est d'accord. Est-ce que ça, ça évite de bouffer le pétrole, tu crois? Sur le champ... Ça peut être quoi la différence entre ça et ça, enfin... De l'industrie pétrolière depuis une nappe souterraine... Alors, une petite plateforme de forage utilisée pour l'extraction de matériaux bruts. Je sais pas si ça évite de... Tu vois que ça évite de pomper. Logiquement, c'est la même chose, mais je me demande si du coup ça, ça évite de vider la zone. Pour quand même l'équilibrage du jeu, quoi. Pire dégage ça. Je pense pas, mais... garde espoir, parce qu'autrement, c'est la merde. Autrement, c'est clairement la merde. On verra, on va voir si ça... ce qui se passe avec ça. J'espère que ça pompe pas réellement le... Mais ça pompe forcément. Le problème c'est que si ça le pompe réellement, bah ça va le vider quoi. Ce qui va être un petit peu gênant. Je t'avoue. Attends, bah... On va mettre de l'eau. Voilà. Électricité, tout ça, il peut être connecté via là. Tant pis, on peut connecter ça. Voilà. Faites-vous plaisir les gars. Connectez-vous entre vous. Donc on aura de quoi bosser. On a notre zone là de magasin qui est en train de se développer un truc de fou. Oh, on a une petite tour et tout. La compagnie, la plus grande de toutes. En termes d'habitants, ça monte. On est enfin du fric. On est pas mal. Il faut qu'on mette des aéroports, tout ça aussi, j'imagine. Est-ce qu'on va débloquer? Pas encore. Bateau. Bateau, on pourrait mettre un truc d'exportation aussi par ici. Non, il n'y a pas. Il faut aller ici. Bon, bah écoute, on va. On verra comment on peut faire. Petit à petit. Est-ce qu'en termes de ressources, c'est bon? C'est tout bon, ce côté-là, santé, ça va. Et en termes d'éducation, est-ce qu'on s'en sort? Ça, c'est bon. Ça, on n'en a pas assez. En même temps, il faut que je mette un de plus ici, mais tu veux que je le mette où? Il n'y a pas la place. Il n'y a juste pas la place de le mettre. J'aurais dû faire une place ici. Je sais pas si je mets là, est-ce que ça peut leur donner accès? Non, ça ne donne pas accès à ceux qui sont là. Où est-ce qu'on pourrait le placer? Bon, écoute, je sais pas, je vais mettre ici. On manque clairement de lycée, mais... C'est un peu la merde, tiens, par ici aussi. Hein. Là, j'espère qu'ils ont assez de lycée. Parce que clairement, c'est la merde. École, on a dit que c'était bon. Université, c'est largement bon aussi. On manque par contre de écoles alternatives. On est un petit peu juste. Est-ce que vous voulez plus d'écoles alternatives par ici, peut-être? Faites-vous plaisir. Je vous en prie. Allez, deux de plus. Plus d'éducation. Par contre, on a plus de gens pour aller travailler là. Ce qui peut être gênant. Et bon, une chose après l'autre. Un problème après l'autre. Et du coup, est-ce qu'on peut faire nos. Fameuses usines.
Maintenant j'ai absolument tout en théorie, donc je peux faire toutes les usines que je peux. Papier doux, vas-y, on va essayer de tout faire. Wow, la taille de l'usine. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop de circuits non plus. Faut qu'on trouve un endroit où les mettre sans que ça foute trop le bordel. C'est clairement pas le meilleur endroit. Mais j'allais te dire pourquoi pas. Voilà. Allez, des usines de plus. Ça va faire une circulation de fou, mais bon, je sais pas quoi faire. Usine de voiture. Écoute, est-ce qu'une usine de voiture serait pas parfaite juste là? Boum! Usine de voiture. C'est trop stylé, regarde toutes les voitures que ça crée. Usine entière. C'est énorme, la taille du truc. C'est complètement dingue. Attends, par contre, il nous reste quoi? Usine alimentaire, en théorie, maintenant on a tout ce qu'il faut, donc il est censé pouvoir faire. Il est censé pouvoir faire tout ça. Usine alimentaire. Ok. Qu'est-ce qui peut nous manquer? Une zone pétrolière. Ah, il y a pas ce truc. Putain. Non, mais attends, là je vais avoir trop de circulation. Je me suis en train de mettre tout en mode vas-y. Mais ça va être faire une circulation de fou. Ça va me faire une circule de malade. Bref. Peut-être pas la meilleure idée du monde. D'électronique. Toi, tu peux absolument tout faire. C'est juste dingue. C'est juste complètement dingue. Une imprimerie. Boum. Allez, une imprimerie. T'en veux une aussi? Ensuite, usine de jouets. On a l'argent pour. Boum! Je suis pas sûr que tout ça fonctionne. Plastique ménager. Je te cache pas que. Non! Putain de Windows! Mais t'es sérieux? Putain! Ah, le plantage de Windows! Non, tout ce que j'ai construit là, c'est pas fait. C'est une putain de vieille sauvegarde! Il y a 20 minutes, ah, je suis deg. Je suis dégoûté, putain de PC. Bon bah écoutez du coup, voilà, on va se laisser là, je vais faire une petite pause avant que je pète un plomb. Je suis dégoûté.